Il y a quelque temps, je vous ai brièvement parlé d'Howard the Duck avec son tome 1 écrit par Chip Zdarsky. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, vous le trouverez dans la playlist du Point Comics. Revenons-en à Chip Zdarsky. Eh bien, non seulement il a récidivé avec un tome 2, toujours dans la série 100% Marvel, mais en plus de cela, on retrouve le personnage d'Howard en caméo du deuxième film des Gardiens de la Galaxie actuellement au cinéma. Bon, il faisait déjà un petit caméo dans la scène de fin du premier, alors je ne vais pas m'éterniser là-dessus, même si c'est un personnage que j'adore. D'ailleurs, je vais profiter davantage du tome 2 pour vous parler un peu plus du personnage. À la base, Howard vit dans un monde peuplé de créatures à son effigie, rempli de canards humanoïdes, comme si l'évolution des espèces ne serait pas partie d'un singe, mais plutôt d'un canard. Tout allait bien jusqu'à ce que celui-ci se retrouve aspiré dans une sorte de faille spatio-temporelle, appelée le Nexus, pour se retrouver dans ce monde peuplé de comics que nous adorons tous. Dans ses aventures, en tant que détective privé ou autre, hein, il lui arrive de croiser Gwenpool, Miss Hulk, Spider-Man, Rocket Raccoon, des Gardiens de la Galaxie, ou encore Squirrel Girl, justement bien présente dans ce tome 2 grâce à un crossover épique entre ces deux personnages. Howard fut tout d'abord créé en 1976 par Steve Gerber, le créateur des Gardiens de la Galaxie lui-même, et c'est sûrement pour ça qu'on peut le croiser de temps en temps avec eux. Mais revenons-en aux comics. Bon, en plus, là, c'est plus Steve Gerber, c'est Chip Zdarsky qui a repris le truc. Donc, ce tome 2 est intitulé La chasse au canard, et il est constitué assez étrangement, je dirais. Au tout début, vous pouvez entrevoir une situation que vous ne comprendrez totalement qu'à la toute fin, justement grâce au crossover avec Squirrel Girl, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est une mutante comme les X-Men, mais dont les pouvoirs sont basés sur les écureuils autant que ceux d'un Spider-Man sont basés sur les araignées. C'est tout dire. Bon, pour info, les pouvoirs de Squirrel Girl, ça se traduit dans son cas par une agilité et force surhumaine, un odorat, une vue et réflexes surhumains également, une queue préhensible, qui peut plier en gros, des griffes rétractiles, qui peut plier aussi donc du coup, et elle peut communiquer avec les écureuils. Pas comme Cendrillon, hein, non non, de quoi s'en faire une super armée assez badass en fait. Et parlons traduction française, Squirrel Girl est bien souvent renommée écureuillette. C'est bizarre, mais bon, ça passe. Mais ce n'est pas la seule super-héros ou super-héroïne qu'Howard va croiser dans ce tome 2. Entre autres, vous allez faire la connaissance de Linda et Choquette, les versions féminines et badass d'Howard et Rocket Raccoon. Vous y retrouverez également le surfeur d'argent, mais aussi Galactus, le dévoreur de monde. Ou encore Kraven, le chasseur. Ce comics est bien rythmé, particulièrement drôle. On y retrouve des personnages attachants et des chats cybernétiques, ou encore un petit écureuil aussi badass que Wolverine. Par contre, vaut mieux tout lire d'une traite à cause d'une des scènes du début qui trouve sa cohérence qu'à la fin de l'histoire. En tout cas, pour ne rien oublier, c'est comme ça que vous devrez procéder. Eh bien, je vous conseille fortement ce comics. Et vous aussi, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dites-moi si vous connaissez ce personnage et si vous avez aimé cet épisode du Point Comics. Voilà pour un de ces comic books qui fait déjà partie de ma collection. À la semaine prochaine pour un nouveau comics.